Eh bien bonjour à tous les amis, je suis PupUp, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour commencer ensemble un nouveau jeu, ou même une nouvelle série de jeux, j'aurais envie de dire. Il s'agit du premier Far Cry, sorti en 2004, développé par Crytek et édité par Ubisoft. Voilà, c'est le premier de la série de jeux Far Cry. Je l'avais fait au moment de sa sortie, je m'étais dit « Waouh, il est magnifique, l'eau est superbe !» Mais ça, c'était il y a 15 ans maintenant. J'ai beaucoup joué en multijoueur sur ce jeu-là aussi à une époque, dans des LAN. Mais donc là, voilà, on va pouvoir se refaire ensemble la campagne. Et on enchaînera avec le temps sur les Far Cry suivants. Le but va être de tous les faire, un peu comme on est en train de faire avec les assassins. On va en faire un temps en temps et remonter le temps jusqu'à rattraper la sortie des jeux. Avec pour l'instant New Dawn qui est le dernier au moment où j'enregistre cette vidéo. Allez, c'est parti du coup, on attaque la campagne de Far Cry. On va jouer en mode standard. C'est parti pour le premier volet de Far Cry. Et c'est parti, on va donc incarner Jack Carver dans ce premier Far Cry. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. En tout cas, moi j'ai très hâte de pouvoir le refaire, même si ça a vieilli. Et j'ai très hâte aussi d'attaquer les suivants assez vite. Alors le 2 peut-être un petit peu moins, c'est peut-être celui que j'attends le moins, mais de faire les 3, 4 et 5, ça devrait être assez sympathique. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si ce genre de, si le fait de faire des séries de jeux comme ça, ça peut vous intéresser. Il y avait aussi les Just Cause aussi avec lequel j'avais hésité à faire. Mais voilà, j'ai décidé de commencer par faire les Far Cry. Alors, c'est parti, on avance, on recule. La souris pour regarder autour de nous. Hop là. Alors. Il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Ok. Maîtrise des touches principales. J'ai l'impression que ça défile très très vite par contre. Ok, V pour le plat ventre.
Écoute, face de rat, ouvre l'œil. Et si tu repères un crétin en chemise à fleurs, tu me préviens tout de suite. T'as pigé ? Oui, oui, à vos ordres. Bon, j'y vais. Ah, attends, est-ce que je vais juste faire un tout petit réglage, parce que j'ai l'impression que ma souris avance quand même. Très fort, on va diminuer un tout petit peu la sensibilité. Voilà, ça devrait être mieux. J'ai pas vu ce que c'était la touche utilisée. F, ok. Allô ? Vous êtes là ? Répondez si vous m'entendez. Je sais que vous êtes là. Je vous ai observé depuis que Val et vous êtes arrivés. Qui êtes-vous ? Votre seule chance de survie, écoutez-moi très attentivement et appelez-moi Doyle. Pourquoi est-ce que je vous ferai confiance ? Croyez-moi, j'aurais pu vous dénoncer depuis un moment. Votre radio est équipée d'un biodétecteur. J'aurais pu donner l'alerte depuis belle lurette. Ok, j'écoute. Vous devez bouger tout de suite. Je vous aiderai autant que possible. Mais le temps presse. Il y a une issue qui mène à un petit camp. Mais attention, la zone grouille de mercenaires. Au fait, je m'appelle Jack Carver. Ok, on va récupérer rapidement le flingue là. Il paraît que vous portez une chemise rouge. Je vous conseille de vous dégoter un gilet pare-balles et de couvrir votre chemise avec quelque chose de moins voyant. Hop, on a le gilet pare-balles avec 100 points de vie. Et c'est parti. Hey, bonne nouvelle! Je vous reçois de mieux en mieux. Je vous suggère de fouiller les baraquements pour trouver des armes et de l'équipement. Ah, c'est vrai qu'il y avait des hélicos et tout. Restez à couvert et évitez tout contact. Essayez de ne pas alerter les gardes. C'était quoi ça ? C'est vraiment pas mon problème. Vous avez entendu ça ? Attrapez-le ! Oh ! Oh ! Ok. Alors, c'était un petit peu plus violent que ce que je pensais à la base. Ok, rien d'intéressant ici. Une machette. Jack, j'ai réussi à connecter votre boussole à l'émetteur récepteur.
Ce qui veut dire que je peux vous envoyer des coordonnées. Cela vous donnera au moins une vague idée de la direction à suivre. Ok. Audio et un détecteur de mouvement. Le docteur Krieger a équipé tout le monde d'un système qui permet aux jumelles de repérer les signaux de positionnement, ce qui est assez pratique. Donc là. Alors, les jumelles. Mince. Comment attirer l'attention ? Je suis juste en train de chercher la touche en fait pour voir les jumelles. B, ok. On est sur une île tropicale, mon gars. Eh ben, si les moustiques t'en disposent, attends de voir les... Ok, on a pas mal de monde. On va pouvoir y aller. Empruntez un de leurs véhicules et roulez jusqu'à la station où les hélicos se ravitaillent en carburant. C'est de l'autre côté de l'île. Là, vous pourrez vous emparer d'un de leurs bateaux pour vous échapper. Vous avez vu ça? Ça devait pas être grand chose. J'ai pas vu qu'il y ait une tour au-dessus de moi. Les mercenaires ont l'habitude de travailler en équipe. Si l'un d'entre eux vous repère, les autres rapiqueront les hélicos. Quel véhicule est là? T'as peut-être raison.
Eh, c'est quoi? À nous deux! Waouh! Alors, bon, j'ai raté du monde a priori. C'est pas grave, on prend. Ok, je viens d'arriver sur l'île. Bon, sinon, on va essayer de passer de manière plus violente. Hein. Après tout, c'est Far Cry aussi quand même. Les mercenaires ont l'habitude de travailler en équipe. Si l'un d'entre eux vous repère, les autres rappliqueront les yeux. Ok, pour l'instant ça va. Hey! Un peu de plomb. Il doit m'en rester un. Alors pour l'instant, j'avais avoir un petit peu de mal à évaluer les distances. Ah, c'est celui qui est à l'intérieur, ok. Vous avez vu quelque chose ? Voilà. Ah, il y en a un autre. Je l'ai pas vu, lui. Une carte magnétique, ok. Bon, maintenant qu'on a vidé le camp, on va aller voir s'il n'y a pas un petit peu de soin quelque part, par contre. Voilà. Bon. Ok, ça va mieux. Voilà, j'ai récupéré pas mal de munitions là. Je pense qu'il garde Val du côté du porte-avions. Je vous suggère de commencer vos recherches par là. Le porte-avions ? Oui. Un porte-avions japonais s'est échoué ici pendant la Seconde Guerre mondiale. Les mercenaires l'ont transformé en station de ravitaillement pour leurs hélicoptères. Tout cela devient de plus en plus bizarre. Et encore, vous ne savez pas tout. Alors soyez prudents. Ah, alors je vais avoir un petit problème d'affectation de touche.
Ok. Alors, option, commande. Je dois avoir la même touche pour le véhicule, pour changer de place. Non. Ok, j'ai un courrier changé de position ici qui est pas bon. S'arrêter de prendre leurs armes, évidemment. Attends, je suis toi. Ok pour eux. Pas de signe du porte-avions. Oh mince. Mince. Oh. Ok. Deux fois par contre. Je t'ai trouvé, je vais t'éclater ta tronche. Ok, ça va être compliqué de survivre ça. Ouais. Bon. Sinon on peut essayer de passer en force, hein. Thank you.
arrivé au porte-avions. Ça y est, Doyle. J'ai repéré le porte-avions. Comment je fais pour y entrer? N'y suis allé qu'une fois, mais si je me souviens bien, il y a un trou sur le côté. Ok, j'y vais. En effet, il y a un trou sur le côté. Je crois qu'on va beaucoup mourir. Ça y est, Doyle. J'ai repéré le porte-avions. Comment je fais pour y entrer? N'y suis allé qu'une fois, mais si je me souviens bien, il y a un trou sur le côté. Vous devriez pouvoir entrer par là. Ok, j'y vais. De reprendre notre air juste ici, là, pour être à peu près caché. Fais attention parce qu'il y a un bateau. Ok, il est là, le trou. Le voilà! Balancez une grenade! Bon, on a réussi à rentrer sur le porte-avions. Bordel, je suis coincé! Jack, vous devez gagner le haut du porte-avions. Sur le pont supérieur, vous devriez trouver un canot. Pendant que vous êtes sur le porte-avions, essayez de retrouver la trace de Val. Il faut qu'on sache où il l'emmène. Ok. Crow va nous botter le cul si on le trouve pas. Je piche que dalle. Il doit y avoir une vingtaine de gars entre ici et l'endroit de l'explosion. Comment il est arrivé jusqu'ici? Je sais pas, mais si on veut pas nettoyer les chiottes jusqu'à la fin de l'année, on a intérêt à le trouver vite fait. Ouais, ça c'est clair. Alpha, présentez-vous immédiatement à la vous station voyez quelque de chose? Ok, va faire voir ce qui se passe. Alpha à la station de ravitaillement. Ok, on a eu tout le monde.
je peux passer par là. Ok pour eux. Rien par là. Ok, on a un P90 maintenant. Qui est là-bas ? À toutes les unités, un intrus a été repéré dans le secteur. Taille et carrure moyenne, porte une chemise à fleurs rouges. Voilà ! Il est armé et dangereux. Autorisation de tirer à vue. Oh. Je vais vous exploser la tronche. Équipe Delta, le réservoir Est est rempli. Repliez-vous. Jack, je fais de mon mieux pour suivre votre trace et repérer les ennemis. Mais la masse métallique interfère avec le signal. Vous êtes seul sur ce coup-là. Super. Merci encore. Équipe Beta, présentez-vous au pont 3. Équipe Beta, présentez-vous au pont 3. Oh, même s'il y a quelque chose, je m'entends. Viens par ici, mon gars. C'était quoi ? Wow. Tu fais pas le poids. Ok, voilà pour eux. Tiens-moi, t'es pas encore rassasié. Allez hop. Rappel à toutes les unités. Signalez immédiatement toute activité suspecte à vos supérieurs. Arrivée de véhicules endommagés. Soyez prêts à intervenir. Pas de trace de Val ? Non. Ou alors ils l'ont déguisée en mercenaire et je viens juste de la tuer. Ce qui serait ballot. Vous entendez quelque chose ? Vérifiez les câblages et les générateurs. Tous les couplages doivent être vérifiés deux fois. On va recharger un petit peu tout.
Je sais pas ce que c'était. Hey, qui va là? Ok. Il tire de par où là? Là-haut. Ok, j'ai pas vu. Fait mal lui aussi. Je crois que j'ai vu. J'ai pas laissé une trousse de soins par là. Non. J'ai cru, mais non. Mais oui, c'était pas ça. Allez, on continue de monter. Waouh! Au-dessus de moi. J'ai quasiment plus de vie du coup. Next. Ouvrez l'œil. Il y a un petit bug d'affichage quand il monte la marche. Pas mort lui. Ok. Ok, il faut que je fasse gaffe, il y en a un qui est par-dessus quand j'essaie de monter. Là. Ok, on va pouvoir rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe ici? On a attaqué! Je crois qu'il cherche la fille! Il la trouvera pas. On l'emmène au bunker. Étage terminé. Ça veut dire qu'on doit se débrouiller, je suppose. Pas de traces de Val. J'ai trouvé son appareil photo. Il y a aussi un fichier sur un certain Krieger.
Cet archipel est l'endroit rêvé pour effectuer mes recherches. L'énergie thermique dégagée par le volcan de l'île principale satisfera amplement mes besoins. Ces îles sont à l'écart des voies d'échange maritimes, je peux donc travailler sans crainte d'être dérangé. Ça prendra un certain temps, mais l'avenir du monde repose en partie sur mon travail. Doyle, ils emmènent Val à un endroit appelé le bunker. C'est où ? Je sais où c'est, mais l'endroit est bien gardé. Trouvez une embarcation et je vous rejoins. Ok, j'y vais. Allez, puis bah nous du coup on va s'arrêter là pour ce premier épisode sur Far Cry. Il va falloir un petit peu de temps, tant que je m'en mette bien dans le bain, pour pouvoir reprendre correctement, parce que je vois que mon game, enfin il y a un petit moment que j'avais pas fait un shooter. Alors, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure sur Far Cry. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, et je vous dis à la prochaine.